ICAD se transforme et présente Reshape, son nouveau plan stratégique 2024-2028. À la fois investisseur et promoteur, ICAD est un acteur responsable et intégré. Notre ambition ? Bâtir la ville à 2050, mixte et bas carbone. Nous agissons à l'échelle du quartier et à l'échelle de l'immeuble pour répondre à tous les besoins. Reshape, notre plan stratégique en 4 axes pour répondre à cette nouvelle ambition. Premier axe, nous poursuivons l'adaptation de notre portefeuille de bureaux à l'évolution de la demande. Avec un patrimoine d'actifs résilients à 86%, les bureaux well-positioned, ICAD répond déjà aux nouvelles attentes de ses clients, tout en continuant à développer un portefeuille de bureaux prime, créateur de valeur. Enfin, 14% de nos actifs sont à repositionner, avec déjà des projets concrets pour certains d'entre eux. Deuxième axe, nous accélérons la diversification de notre portefeuille pour répondre à des besoins croissants du marché. Pour cela, nous avons identifié 3 segments prioritaires en forte croissance, dont la demande structurelle est forte et l'offre rare. D'abord, les locaux d'activité. Un savoir-faire déjà illustré dans nos parcs et des projets qui s'imaginent déjà, notamment sur le parc Paris-Orly-Rungis. Ensuite, le logement étudiant. Avec 16 résidences déjà construites depuis 2015 et 9 projets en cours, nous continuons d'explorer les opportunités de projets sur le parc des Portes de Paris, par exemple. Enfin, les data centers. Une classe d'actifs stratégiques avec des réalisations concrètes sur nos parcs et là encore des projets à venir sur le parc des Portes de Paris et sur le parc Paris-Orly-Rungis. Troisième axe, construire la ville à 2050, mixte, innovante et durable. Pour construire la ville mixte, nous transformons notre patrimoine pour répondre aux nouveaux besoins des territoires. C'est le cas actuellement avec Esterel Nord, un projet de réhabilitation de locaux tertiaires en logements et locaux d'activité sur le parc Paris-Orly-Rungis. Une opération menée par nos deux métiers, promoteurs et investisseurs. Pour construire la ville durable, nous nous engageons à privilégier les projets bas carbone. Construire un tiers de nos projets en bois et matériaux biosourcés et réaliser un tiers de restructuration en 2030. Nous nous engageons aussi à améliorer la performance de nos bâtiments d'ici 2030 en alignant plus de 95% des bureaux well-positioned sur les objectifs 2030 de la SBTI et du dispositif éco-énergie tertiaire. Pour cela, nous dédions un plan d'investissement 2024-2030 de 145 millions d'euros. Pour accompagner nos métiers, nous collaborons avec 16 startups à travers notre startup studio Urban Odyssey. La biodiversité est aussi un axe stratégique. Nous avons développé une méthode de calcul pour réaliser un diagnostic biodiversité en amont des projets. Nous agissons pour la renaturation des zones urbaines. Nous travaillons à la renaturation des nouvelles constructions. Construire la ville mixte et durable à 2050, ICAD le fait déjà. Notre premier démonstrateur, le quartier des Quinconces, au cœur du village des athlètes à Saint-Ouen-sur-Seine. Quatrième axe, maintenir une structure financière solide. En ce sens, assurer une répartition équilibrée entre investissement et remboursement de la dette et poursuivre une politique financière rigoureuse. En 2024, ICAD se transforme et pose de nouveaux objectifs. Capitaliser sur nos fondamentaux solides et accélérer notre diversification pour transformer les villes et répondre aux grands enjeux de mixité d'usage et de RSE.